Pas mal ça, c'est qui? C'est TV on the radio. TV on the radio. C'est le contraire de ce qu'on fait, nous on fait de la radio à la télé et eux, leur groupe s'appelle TV on the radio. Il est French? Alors il n'est pas French, il est brooklynien. Alors ils sont d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs. C'est assez rigolo, c'est l'histoire, le groupe date de 97. C'est deux gars qui font un peu de l'électro, du hip-hop et qui rencontrent trois autres gars qui font un peu du rock et du free jazz. Donc vous imaginez quand vous mettez tous ces gars-là dans une même pièce, ça fait un truc bizarre. Et bien ça fait cette musique qui a une sorte de mélange de genres. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se dit ouais, bon les gars, c'est sympa et tout. Il faut quand même imaginer qu'en 2006, David Bowie participe à un de leurs albums. Il fait un petit, ce qu'on appelle un feature. Connu déjà un peu quand même. Un peu connu, mais surtout David Bowie qui a toujours le nez fin et l'oreille pointue, se dit ah bah c'est pas mal. Donc moi je trouve ça sur le CV, quand on dit voilà, avec une petite participation de David Bowie dans un des disques, je trouve que c'est déjà très élégant. C'est leur sixième album, déjà. Voilà, je vous propose de découvrir le nouveau titre. C'est ce qu'on entendait là ou autre chose? C'est celui-là, exactement. Ouais, il est bien. Celui-là. Happy Idiot, c'est moi. C'est un idiot content. C'est moi. Ça, non? Ah, c'est bien ça, ça plaît bien. Ouais, années 70, 80. Ce que j'aime bien, c'est le petit côté teigneux, mais vous voyez, c'est un mort avec un peu. Lilian Thuram, oui. Les amateurs de sosie approximatif se régalent. Bah, oui. Nous, les premiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben cette fois-ci, c'est un peu des Français. C'est Natas Loves You. Natas, N-A-T-A-S, Loves You, voilà. Alors, c'est cinq petits garçons qui sont là. Enfin, petits, non, ils sont pas si petits que ça. Ils sont... Alors, c'est un groupe très européen, voire international. Il y a des Français, il y a des Européens, des Finlandais, il y a même des Américains. Ce qui est assez intéressant, eux, c'est un peu la même chose. C'est un peu ma sélection, c'est ça. C'est des groupes avec des gens qui font des genres de musique très différents. On les met dans la même pièce, on les secoue un peu, et à la fin, ils sortent un nouveau truc. Et ben là, c'est un peu le même genre. C'est des gars qui font un peu de la pop. Qui aime bien la soul, vous savez, genre Curtis Mayfield ou ce genre d'artiste, mais en même temps qui rajoute un peu d'électro, puis un peu de pop, et tout ça mélangé. C'est leur premier album, Natas Love You. Alors voilà, ils sont pas comme les garçons d'avant, TV on the radio. Oula, mais quoi, ils ont 12 ans d'âge. Ah bah, ils sont tout jeunes, c'est leur premier disque, Natas Love You. Je vous propose de faire. Mais comment ils se sont rencontrés, s'il y en a un qui est finlandais et l'autre il est mexicain? Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école au Luxembourg. Mais je peux vous raconter toute votre histoire, savoir où ils ont acheté leurs vêtements. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut regarder leur premier trick? Oui, et puis même écouter d'ailleurs, on fait les deux ici à la télé. Allons-y, ah oui, c'est vrai, il y a du son. Ah, c'est vachement bien. Hein. Ouais. Pas mal aussi. J'aurais tendance même, à dire. Même genre de référence, me semble-t-il. Oui, c'est un peu rock. Il y a quand même... Moi, j'aime bien que. Voilà, on commence à repencher les amplis avec la guitare. Ça me plaît bien. Est-ce qu'on finit avec Tahiti 80? Si vous voulez. Tahiti 80, qui, comme son nom ne l'indique pas, sont des Normands. Hein. On a l'impression que c'est pas pété, machin, tout ça et tout. Non, bah pas du tout. Tahiti 80, voilà. C'est des Normands. C'est marrant, leur premier disque sort, c'est en 2000, combien 6, 7, je sais plus. Et en France, ça marche pas terrible, mais au Japon, genre le délire, 50 000 albums vendus, waouh, les Japonais et tout. Et donc voilà, c'est leur septième album, donc maintenant ils se sont fait un nom, tout le monde les connaît. Septième album en France ou au Japon? Septième album dans le monde entier, oui. Voilà. Et je vous propose d'écouter cet album, et où là, ils se sont un peu plus énervés que d'habitude. Moi, j'aime bien aussi, regarde. Allez. Enfin, bah, écoutez. Ils sont un peu connus en France ou pas du tout? Bah oui, ils sont connus en France. Ah, vous connaissez? Bah évidemment, oui. Ah, pardon. Dès le premier album, oui. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais vous êtes choriste, c'est pour ça que vous connaissez tous ces gens. Non, mais c'est vrai, elles chantent. Voilà. Elles chantent. C'est pas mal. Est-ce que je peux revenir sur les filles à partir de la prochaine sélection? Parce que les garçons, là, non, on peut dire que... Non, 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 pour l'année, les garçons. Hélas, non, ça a été voté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du monde. Au nom de la parité. Il faut arrêter de parler des jeunes blondes.
mineur. Hein, sinon, alors, arrêtez, alors, c'est pas vrai. C'est de nouveau la prison. Alex. Alors. Et vous en sortez. C'est vrai. Pendant les vacances, je vais en prison. Je ne fais que ça. Voilà. Merci encore. Gros bisous.